انجن مرخوان ليه عبوتي يكمو انجن مرخوان ليه عبوتي يكمو خواب المدنو دي ريشكة ردنايا сейчас я юкабира. Notre mission nous conduit le long de la frontière entre la Yakoutie et la Tchoukotka, sur la rive droite de la Kolyma, près de son embouchure. Là, un groupe familial d'une trentaine d'âmes expérimente une solution originale pour mener une existence autonome. À la chute du régime soviétique, en 1990, Egor Noutendli et sa femme Akulina Kemlil, éleveurs de rennes, ont quitté l'organisation du Sovkhoz de Kolymskoye. Ils ont revendiqué la propriété d'une partie du troupeau qui avait été jadis confisquée à leurs parents et la jouissance exclusive d'un territoire. Leur famille était encore entièrement nomade lors de notre première visite en 1993. Depuis, ils ont bâti un camp de base permanent, plus au sud. Entre la vie moderne, qui attire les jeunes vers les centres urbains, et la vie nomade de ses ancêtres Tchouktch, la famille Noutendli s'efforce de trouver un compromis. Egor, 67 ans, et Akulina, 62 ans, ont constitué avec leur parentèle une entreprise strictement familiale, consacrée à l'élevage et à la pêche. Parmi leurs 8 enfants, 4 fils et 2 filles travaillent pour l'Optchina, leur petite coopérative. L'essentiel de l'activité est lié à l'élevage d'un troupeau d'environ 2000 têtes. La production assure leur subsistance, mais elle leur permet également d'acquérir des biens de consommation grâce au troc ou à la vente. Perpétuant la tradition Tchouktch, les Noutendli ont conservé pour préoccupation première la prospérité du troupeau. La pousse extrêmement lente du lichen, nourriture de prédilection des rennes, impose aux éleveurs une transhumance incessante et un mode de vie nomade. Pour les 5 pasteurs du campement, les tâches sont multiples. Maintenir les rennes regroupées, les protéger des prédateurs, ours, loups, gloutons ou esprits malfaisants, guider les déplacements des bêtes, veiller à leur état de santé et à la bonne reproduction des quelques 1000 femelles. Ils doivent enfin assurer le dressage de quelques animaux destinés à l'attelage des traîneaux. La grande mobilité des éleveurs de rennes dépend autant de l'efficacité de leurs moyens de déplacement à travers les vastes étendues de la toundra que de la facilité de démontage et d'assemblage de leur habitation légère. La yaranga, sorte de tente constituée de perches et de peaux, sert d'abri à ces nomades l'année durant. Son ouverture est orientée vers le soleil levant qui symbolise le monde des vivants.
Objet de vénération, le renne pourvoit à l'ensemble des besoins et conditionne la survie des hommes dans cet environnement d'une extrême rudesse. Chair, cuir, fourrure, tendons, bois, graisse, moelle des os, tout s'utilise dans cet animal pour l'alimentation, l'habillement et même la construction. Durant leur existence et jusque dans la mort, le renne et l'homme sont inséparables. Cette alliance symbolique fondamentale, les éleveurs de la toundra la renouent à l'occasion de nombreuses festivités. Des célébrations réunissent voisins et alliés, parfois venus de loin, autour de rituels, de festins collectifs, de divertissements et de compétitions sportives. Dans l'entreprise Nutendli, l'élevage mobilise les hommes les plus jeunes et une femme chargée des tâches domestiques. L'unité itinérante qu'ils forment maintient une liaison radio quotidienne avec la base de Krasnouchka où les plus âgés se sont établis. Krasnouchka. Ah, ничего нормально. И со смаком, только медленно. Ага. Спасибо. Щечевкать, да? Ага. Так, мамка, свин, гречка, яблоки. Когда вы что-то отсюда? Здесь есть, значит, вот есть. У вас нет собаки? Я думаю, что в городах, если жить вот в таком доме, это... Par petites étapes de quelques kilomètres, la transhumance s'effectue selon un rythme quasi hebdomadaire. Tiré par deux rennes castrées, le traîneau est utilisé, été comme hiver, pour transporter l'équipement. La migration prend la direction du nord pour l'estivage au bord de l'océan Arctique. Puis, lorsque viennent les grands froids, les troupeaux se replient au sud jusqu'à la limite de la zone forestière.
Bénéficiant de la richesse poissonneuse du fleuve Kolyma, la communauté Nutendli a diversifié ses activités. Deux de ses membres, Zoya, la demi-sœur d'Akulina, et son mari, russe autochtone, se consacrent entièrement à la pêche, dont ils vendent le produit dans les centres urbains de Yakoutie. Menant une vie sédentaire dans leur cabane isolée de Chalaou-Rovo, ils contribuent pour une part importante aux revenus de l'entreprise familiale. Что, редко приходится или невкусно? Редко. Ну а вкусно или нет? Нет. А. Да? Да. Значит, это когда? Часов 8? Нет, после. Утро. Перед рыбалкой где-то 9, наверное. 9, хорошо. À Krasnouchka, les Nutendli ont établi leur camp de base. Ils en ont fait progressivement un hameau comprenant plusieurs bâtiments. Ils comptent y passer leurs vieux jours dans un certain confort et pouvoir accueillir leurs proches dans leur milieu naturel. Ici, Akulina règne sur la vie domestique comme sur la vie sociale de son groupe. Entre autres tâches, elle constitue des réserves alimentaires en vue de périodes où la nourriture fraîche viendra à manquer. Notre interprète nous assiste dans une enquête sur les goûts alimentaires. Pour la confection des vêtements d'hiver, Akulina gratte et assouplit les peaux. La fourrure de renne constitue en effet la seule protection efficace contre un froid qui peut atteindre moins 50 degrés.
Dans la division familiale du travail, c'est Egor qui assure la construction et l'entretien des moyens de transport, traîneaux ou barques, et du matériel de pêche. Il lui revient également d'approvisionner le groupe en poissons destinés à la consommation courante, qu'ils soient mangés frais, séchés, salés ou congelés. Cette ressource, très abondante aux abords du camp, offre aux Nutendli une diversification alimentaire appréciable dans un régime essentiellement carné. À l'automne, les enfants scolarisés doivent quitter le campement pour rejoindre la ville de Tchersky. Afin d'éviter une trop longue séparation et surtout lutter contre la perte d'identité qu'entraîne inévitablement la vie urbaine, les Nutendli ont décidé de construire à Krasnushka une école pour leurs descendants. Auprès de leurs grands-parents, ces jeunes pourront recueillir un héritage culturel aujourd'hui extrêmement menacé. Loin de tourner le dos au changement, les Nutendli ont assimilé de nombreux éléments de modernisme. Ils tentent le difficile pari de perpétuer l'élevage de rennes en conservant leur mode de vie, leurs coutumes et leurs rituels dans un contexte de forte instabilité politique, sociale et économique. Halima, king halima.
ты.